Miasa, Sana, Beretta. Toujours en train de jouer. Non, tu ne finis pas cette partie. Scandaleux. Viens ici. Oh là là là. Je reviens dans 10 minutes. Tu vas commencer à faire des exercices. C'est pas juste tout ça, ça m'embrouille. Qu'est-ce que je pourrais faire pour échapper à ça? Oh, j'ai une idée. Ça, c'est pour faire baisser ma température. Maintenant, je vais m'évanouir. Beretti? Qu'est-ce qui s'est passé? Beretti? Beretti? Oh, t'es froide, t'es super froide. Qu'est-ce qui s'est passé? Viens, viens sur le canapé. Allez, hop, t'es super froide. Ah bon? Tu t'es censé faire tes exercices, tes devoirs de vacances. Oh non, c'est pas possible. Si tu as perdu la mémoire, comment tu vas faire tes devoirs? En fait, j'ai déjà tout étudié. Ah mais... super. Mais j'ai perdu la mémoire. Oh! Je sais que la pizza, c'est ce que tu adores le plus. Mais aujourd'hui, c'est que pour moi. Jessie, j'ai retrouvé la mémoire, c'est bon, c'est bon. Non, Jessie, stop. Non, non, Beretti. Ça, c'est tu as eu un grave accident. Je peux me laisser, s'il te plaît, laisse-moi. J'ai retrouvé la mémoire. Juste un tout petit peu. Tu as retrouvé la mémoire? Parfait, c'était rapide. Donc, tu pourras faire tous tes devoirs avant de manger de la pizza. C'est pas juste, pas juste, pas juste. J'ai juste fait un petit prank à ma maman Chelsea et maintenant elle m'oblige à arroser les plantes. C'est quand même pas de ma faute si ce prank a réussi. Je dis talent, c'est tout. Allez, on continue à arroser. Et t'es même pas juste, j'ai pas d'arrosoir. Je dois le faire avec ce petit pichet là. Allez. Tiens. Mais qu'est-ce que c'est là-bas? Mais on dirait des aquabeads. Des perles qui collent avec de l'eau. Et en plus, ils disent que c'est une activité avec laquelle on peut jouer à partir de 4 ans. Et en plus, ça dit qu'on peut jouer avec sans la surveillance de ses parents. C'est trop bien ça. Il faut pas de colle, pas de source de chaleur. Et on peut réaliser sa propre création de A à Z. Là, je suis curieuse. Allez, on rentre à la maison et on découvre tout ça. Que je teste ce super aquabide. Des petites perles qui collent avec de l'eau. Allez, ouvrons la boîte. Cette petite valise est vraiment géniale pour aller en vacances ou bien pour apporter des aquabides chez des amis. Allez, je l'ouvre. Waouh! Dans cette boîte, j'ai trouvé plein de petites perles multicolores. Il y a du rouge, du orange, du jaune, du blanc, du rose, du violet, du bleu, du vert et du marron. En tout, il y a 1400 perles pour faire des super créations originales. Ces petits compartiments sont pour ranger toutes ces perles. Dans la boîte, il y a aussi un pulvérisateur, ce qui va aider à créer les super créations. Il faudra juste pulvériser un peu d'eau sur les perles pour faire la création. Il y a aussi un stylo qui va aider à faire les créations. Donc tout ce qu'il faudra faire, c'est les mettre dans les stylos et puis appuyer sur le tableau. Et voici le tableau. Dans la boîte, il y a aussi 6 modèles. Il y a aussi un super monde d'emploi complet qui explique comment faire les aquabides. Donc numéro 1, on fait la création. Numéro 2, on y pulvérise. Numéro 3, on y retourne. Et après 10 minutes, nous avons enfin notre création. Et après, on peut jouer avec ou bien l'offrir à ses amis. Dans ce petit livret, il y a aussi plein de nouveaux modèles. Allez, moi je commence ma création. J'ai décidé de créer un perroquet en suivant un modèle. C'est trop bien
parce qu'on a besoin d'une surveillance des parents, on n'a pas besoin d'une source de chaleur ou de colle. Il faut juste pulvériser de l'eau sur la création et ça va se coller tout seul. Voilà, ma création est terminée. Maintenant, je passe à la phase B, la pulvérisation. Ils disent d'en mettre beaucoup, beaucoup. Super, j'ai attendu 5 minutes, maintenant je vais retourner. Super, maintenant j'attends encore 5 minutes, comme ça les billes vont bien s'attacher. Voici ma deuxième création, un canard dans sa mare. C'est vraiment trop mignon et j'ai adoré faire cette création. C'est facile et on peut y faire sans nos parents. Et voici ma troisième création, une petite baleine. Je vais prendre en photo mes créations et les envoyer à ma maman. Super, on va lire. Ah, une réponse de ma maman. Oh, wow, Verity, je suis trop fière de toi. Ces créations sont magnifiques. Verity, est-ce que tu pourrais s'il te plaît emballer tes super créations dans du papier cadeau pour Noël? Comme ça, je pourrais les offrir à mes copines. Oui, bonne idée. Donc, mes créations peuvent vraiment être des vrais cadeaux de Noël. C'est super ça! Les amis, j'ai un petit challenge pour vous! Si vous aimez bien cette vidéo et les aquabides, appuyez sur le lien dans la description! Vous pourrez voter pour votre vidéo préférée sur les aquabides! Et il y aura aussi plein d'activités amusantes auxquelles vous pourrez jouer! Donc n'oubliez pas de cliquer sur le lien dans la description pour voter quelle est votre vidéo sur les aquabides préférées! Et voici mes paquets cadeaux! Oui, je sais, ils sont énormes, c'est parce que j'ai sécurisé mes créations avec des papiers bulles. Ah, mais j'entends quelque chose. Mais ça doit être Tia qui pleure. Bon, allez, je vais la voir pour lui demander si elle a bien dormi. Ne pleure pas, Tia, d'accord? Non, pleure pas. Pourquoi tu pleures? Allez, fais-moi un câlin. Super. Mais t'as entendu ça, tiens? Mais c'est quoi? On va aller voir. Ah, mais c'est qui? Mais tu fais quoi là? T'as pris mes créations aquabines? Donne-les-moi! Non, elles sont à moi. Moi, je prends. Parce qu'on a pu échapper à cette méchante sorcière qui voulait nous voler nos super créations d'aquabide. On est contente, n'est-ce pas, Tia? Et les amis, n'oubliez pas de voter pour votre vidéo préférée sur les aquabides qui est dans la description. Au revoir les copains et les copines. Si vous avez bien aimé notre vidéo, n'oubliez pas un pouce bleu, abonnez-vous et appuyez sur la cloche. Kitty, kitty, kitty love. Bienvenue dans mon